Que veux-tu dire par qu'est-ce qui se passe ici? Nos vêtements. Où sont nos habits? Ah, maman. C'était juste ici. Bien sûr, mais tu me demandes, tu sais qu'on a joué ensemble. Tu les avais déposés ici. Alors, qui les a pris? Bébé, s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois élevé à cause de ce qui vient de se passer. Non, ne me dis pas ça. Qui peut prendre nos vêtements? Mais je ne sais pas. Comme je te l'avais dit, ne t'inquiète pas sur des vêtements, d'accord? Cherchons une boutique qui est proche, je vais t'acheter de nouveaux vêtements. Tu t'es moque de moi? Aller à la boutique comme ça? Bébé, peux-tu te calmer un peu? Laisse-moi réfléchir. On ne peut pas rester comme ceci, certes. Laisse-moi réfléchir. Ok. Ouais, allô, Charles. Ouais, tout va bien. Oh, s'il te plaît, je veux que tu me fasses une faveur. Tu n'es pas en ville? D'accord, pas de problème, je vais te rappeler. Tu vois, qu'allons-nous faire maintenant? Bébé, du moins, quittons ici d'abord, hein, s'il te plaît, quittons ici. Mais il faut ouvrir la porte pour un gars, non? Oga, va
Vas-y, ferme le portail, ferme le portail. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bandits vous ont attaqué. Dites-moi, les bandits vous ont attaqué ou quoi? Ça peut être quoi ça? Comment je saurais? J'étais à la piscine avec eux. Hey! Oh mon Dieu, laisse-moi travailler. Oh! Ah. Je me demande qu'est-ce qui est le problème. Oga est en train de courir presque nu. Suivi d'une femme, Afuneke, qui est aussi presque nue. Ibeta papim piam, ibeta papim piam. Oh gars, il ne va pas changer. D'accord bébé, je vais t'appeler. Tu ne me déposes pas à la maison? Oh, allez bébé, je t'avais dit que je voulais regarder un match. Oh, s'il te plaît. Hein? Ce n'est pas normal. C'est ce que tu avais aussi fait la fois passée. Bébé, hein? Fais-moi confiance. T'en fais pas. Comme tu l'avais dit, je vais me rattraper. Hein? T'en fais pas. Va à la maison. Hein? Hey, toi, chienne enragée. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici? Excuse-moi. Allez, viens ici, je te demande qui es-tu. À l'aise! S'il vous plaît, aidez-moi! Laisse-moi! Tu veux la tuer, hein? Stupide, sale fille! N'ose plus jamais me toucher encore avec tes sales mains. Fonce! Fonce! Je ne vais en aucun cas accepter cette bêtise! Hey baby, écoute, je sais que tu aimes beaucoup les femmes. Quand il t'arrive d'avoir besoin de passer du temps avec ces sales choses, va avec dehors, pas dans cette maison. Tu me dois un peu de respect. Tu as oublié que tu cries sur moi dans ma propre maison? Tu n'es pas mon épouse. Mais je suis ta fiancée. Ma petite amie. Que ça soit inculqué dans ta tête. Allô? Toi encore? Oh mon Dieu! Donc c'était toi? Oui, ça c'est moi. Reste loin de mon homme. Tu es méchante. Je suis plus pure que ça. Sois avertie. Papa! Bonjour, monsieur. Ouvre le portail. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'y a-t-il? Vous voyez, s'il vous plaît, monsieur, je ne sais pas si vous pouvez me payer pour ce mois. Papa. Monsieur. Aujourd'hui, c'est le 15. Alors, de quoi parlais-tu? Monsieur, je sais qu'aujourd'hui, nous sommes le 15, mais... je n'ai pas encore payé mon loyer et on me menace de me déguerpir. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Papa, je te paierai ton salaire la fin du mois. S'il te plaît, ouvre-moi le portail. Ouvre le portail! Ah oui, patron. Yes. Mais c'est le
bailleur. Où est ton père? Mon père? Bonjour, monsieur. Je dis, où est ton père? Il est parti au travail. Au travail? Oui. Dis-lui qu'il va sortir de cette maison. Si je n'ai pas mon argent, cette semaine. Monsieur le bailleur, je vous en prie, pardon. Hein? On va vous payer très bientôt. Hein? Les temps sont difficiles, on va vous payer. Quand? Très bientôt. S'il vous plaît, papa. Vous savez que mon père est un homme de parole. Il va bientôt vous payer. Hein? On va vous payer très bientôt. Dis-lui que si je n'ai pas mon argent, ce week-end, je vais les chasser de cette maison. S'il vous plaît, papa bailleur, je vous en prie. Si vous n'en prenez pas, vous payez votre argent. Vous savez que mon père est un homme de parole. Je vous en prie. Oh mon Dieu. Hey! Papa? Papa? Oui, c'est qui? C'est Nena, papa. Ma fille. Papa, il y a le feu sur la montagne. Papa, il y a le feu sur la montagne, oh. Nena, c'est quoi le problème? Je dis que le feu a tout consumé. Le bailleur était venu aujourd'hui et il était en train de crier. Il a promis de nous mettre dehors ce week-end si on ne paye pas notre loyer. Oh Dieu! Hein? Mais je lui ai dit qu'on ne m'a pas encore payé. Il ne voulait pas entendre ça. Il était en train de crier, il ne voulait même pas comprendre. Je cherchais comment le calmer, mais il ne voulait pas. Il a dit si on ne paye pas notre loyer ce week-end, hey. Il va nous chasser de la maison, papa. Nena, ne te dérange pas. Le boss a dit qu'il va me payer aujourd'hui. Je suis sûr qu'il va me payer aujourd'hui. Es-tu sûr? Très sûr. Il va payer. S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'as-tu préparé pour moi? Je n'ai rien préparé. Ma tête n'était pas vraiment en place. Mais t'inquiète, je vais te faire quelque chose à manger. Tu vas le trouver à la maison. Ne te dérange pas. J'aurai mon argent aujourd'hui. Aussitôt que j'ai mon argent, je vais payer le loyer et je vais payer quelques provisions pour la maison. Tu devais voir son embarrassement. Ne te dérange pas. S'il te plaît, fais effort. On doit le payer, papa. Pas de problème. Nena, prends soin de toi. Regarde la belle villa. France, je suis fatigué de tout ça. Fatigué de quoi? Mais dois-tu toujours tomber sous le charme de chaque jeune fille qui est en face de toi? De quoi parles-tu, frangin? Regarde-moi. Je suis mignon. J'ai le swag. Je suis élégant, j'ai tout ce que veut chaque jeune fille. Permets-moi de profiter de ces jolies filles. Hein? Francis n'est pas fait que pour une seule fille. Tu dois y aller doucement, mon frère. Vas-y doucement. Ah, regarde celui qui parle. Dis-moi que toi, tu n'admires pas la fille là. Mais au moins, je ne suis rentré à la maison avec personne hier. Et tu sais ça? S'il te plaît, épargne-moi ça. Tu sais ce que je vais faire. Je vais prendre ma boisson et aller parler à la fille là. Bon sang. Salut. Waouh. Puis-je m'asseoir? Désolé pour le dérangement. Tu attends quelqu'un? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Mon nom c'est Francis. Quel est ton nom? Je m'appelle Tonia. Tonia? Ouais. Ah, Tonia, vraiment, tu es belle. Hein? Ah, vraiment. Je sais quoi dire d'autre, mais crois-moi si je dis que tu es belle. Tu l'es vraiment. Merci. Alors, si tu n'es pas occupé cette nuit, est-ce qu'on peut se croiser quelque part et puis avoir un peu de temps et discuter un peu de notre vie, hein, tu vois?
Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Je ne suis pas prêt pour parler maintenant. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment vais-je m'y prendre avec les bailleurs? Oh, mon Dieu. Que vais-je faire maintenant? Timo, où est-ce que je vais trouver l'argent de payer les bailleurs? Oh mon Dieu! Que fais-tu ici? Oh désolé, je suis venu nettoyer la chambre. Tu es venu pour nettoyer ici et le salon, la cuisine, la terrasse, les escaliers et les autres endroits. J'ai déjà nettoyé tous ces endroits. Je suis venu chercher tes habits sales pour les laver. Alors que fais-tu ici? Pourquoi ne pas attendre? Je vais m'en aller. Va à l'enfer! Ferme-moi la porte! Okay, ferme-la! Ta vie est toujours comme ça. Tu ne peux pas passer un jour sans pour autant être avec une femme. Matin, midi, soir, la même chose. Avec des femmes. Bébé. Oui, chérie. Tu es très fantastique. Je pense qu'avec ceci, tu pourras acheter tout ce que tu veux. Et demain, je t'amènerai à la boutique pour que tu achètes tout ce que tu désires. Merci. Maintenant, dis-moi à quel point tu m'aimes. Tu sais quoi? Mm-hmm. Tu es trop sucré. Mm. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci. De rien. Alors... Hey, excuse-moi. Quoi? Qui es-tu? Pourquoi demandes-tu? Je demande qui es-tu et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Écoute, si tu es là pour te satisfaire, vas-y et réjouis-toi. Ne sois pas dingue. Je ne sais pas. François, où es-tu? Allez, excuse-moi, arrête ça. Allez, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'as pas répondu à ma question. Tu as couché avec cette fille. Quelle est cette question stupide là? Tu m'as écouté. Je veux savoir si tu as couché avec cette sale fille. Oui. Écoute, bébé. Si tu n'es pas d'humeur, si tu ne veux pas coucher avec moi, fais-moi savoir. Non. Si tu as couché avec elle, alors je ne veux pas que tu m'infectes. Oui. Fous-moi le camp. Ok, bien, je suis désolée. Bébé. Sors d'ici. Je suis désolée. Tu sais que je t'aime beaucoup, je ne vais pas te partager avec une autre femme. Bébé, je suis désolée, tu sais, tu me manques beaucoup, non, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée.
Papa. Oh, j'arrive. Papa. Papa, c'est moi, Nena. Papa. Papa, il est venu. Qui est venu? Papa, les bailleurs. Oh. Les bailleurs, il est venu avec son fils. Il jette nos histoires hors de la maison. Papa, s'il te plaît, fais quelque chose. Allez, sortez-moi tout ça. Ne faites pas ça. Sortez-moi toutes ces affaires. S'il vous plaît, vite. Pitié, papa Bayer, je vous en prie. Papa Bayer, s'il vous plaît, pardon. Ah, non, je vous en prie. Non, je ne vais rien attendre. Viens fermer la porte. Viens fermer cette porte. Papa Bayer, je vous en prie, s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Comme fermer cette porte. Laisse-moi tranquille. Je vous en prie. Oga Bayer, laisse-moi. Non, je ne vais rien attendre. S'il te plaît. Oga, bienvenue. Bienvenue, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Que font ces sacs-là là-bas? Monsieur, il y a un problème. Notre bailleur nous a finalement déguerpi. Voilà pourquoi nous sommes ici. Papa, quel est ton problème? Je t'ai payé le mois dernier. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Monsieur, j'avais beaucoup à faire avec l'argent. D'accord, viens avec moi, je vais te donner l'argent pour que ça ne se voit pas comme je suis la cause de cette absurdité. Monsieur, il fait déjà tard, non? On ne saura pas rentrer à la maison maintenant. Alors, que veux-tu que je fasse? Monsieur, s'il vous plaît, en tout cas, je vous supplie vraiment. En fait, je veux que nous restions ici. Comme ça, quand on aura l'argent, on pourra aller trouver une maison à l'extérieur. S'il vous plaît, monsieur. Je vous supplie vraiment. Pardon, monsieur, pardon. Je vous en prie, je vous en prie. C'est tout? Oui, monsieur. Très bien, alors. Tu es libre, elle peut rester avec toi. Ah, monsieur, merci. Merci, monsieur. Faites rentrer les sacs. Merci, que Dieu vous bénisse. Ah, merci, monsieur. Oh. Papa! Papa! Bonjour, monsieur. Tu as nettoyé la voiture? Je ne l'ai pas nettoyé, monsieur. Je ne l'ai pas nettoyé. Bonjour, monsieur. Bonjour. As-tu nettoyé ma voiture? Oui, monsieur. Je l'ai fait. Je vois. Ouvre le portail. Ok, monsieur. Réagit comme ça? Je ne sais pas. Est-il en colère? Je ne sais pas. Je ne les comprends pas.
Moi, je le vois souvent heureux quand il y a une femme là. J'avais mal fait de laver sa voiture. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va parler. D'accord, je suis à l'intérieur. Qui es-tu? Bonjour. Je demande qui es-tu? Je réponds au nom de Nena. Nena? Oui. Nena, et qu'est-ce que tu fais ici? Je balaye la partie. Tu es une chègue ou quoi? Qui t'a amené ici? Je suis la fille de Oga Jose, l'homme de la sécurité. Et alors? J'aide mon père à balayer la parcelle. Belly. Baby. Elle commence à habiter ici. Es-tu venue pour me poser des questions ou bien pour voir ton homme? S'il te plaît, entre. Salut, chérie. Salut. Viens ici. Tu m'as beaucoup manqué. Madame, désolée. Désolée pour mon retard. Désolée pour toi-même. Prends cet argent, va m'acheter des détergents. Je dois laver les histoires de mon chéri. Dépêche-toi. D'accord, madame, mais vous devez avoir un peu de la patience. J'ai mis la nourriture sous le feu. Alors, dès que je finis, je vais aller acheter pour vous. Hé, hey, reviens ici. Qui t'a dit de partir? Je t'ai dit ce qu'il y a à faire. Toi, tu es en train de me dire ce que toi, tu peux faire. Tu obéis à mes ordres ou tu veux me donner des ordres? Je t'ai dit d'aller m'acheter les détergents et tu es là en train de me dire que je dois d'abord finir de préparer. Es-tu malade? Ta tête là va bien? Madame, je ne suis pas malade, ni encore folle. J'avais juste dit que je finis ce que je suis en train de faire et puis je vais aller vous... Qu'est-ce que tu as dit? Qui es-tu pour commencer à me répondre quand je te parle? Écoute, ça soit la dernière fois que tu me réponds quand je te parle ou d'élever ta stupide voix pour me parler. Est-ce que tu m'as compris? Mais allez, ferme-la. Je n'ai pas dit que je n'allais pas le faire. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ferme ta bouche. Allez, va-t'en. Tu dis rien. Hey. Bébé, arrête de pleurer. Je me suis juste rappelé de ma pauvre mère. Hey, wow. Ok, arrête de pleurer. Hein? Ça va, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu as arrêté. Je voulais te remercier pour m'avoir aidé à balayer la parcelle l'autre fois. D'accord. Ok.
Tu continues de pleurer. Si je continue de pleurer, tu vas me faire pleurer aussi. Oh. Et si je commence à pleurer ici, ça ne sera pas bien. Ne pleure pas. Alors arrête de pleurer. Tu as arrêté. J'ai arrêté. Essuie tes larmes. Les miens sont en train de sortir. D'accord, j'essuie. Arrêtons de pleurer. Oh. Charles, si tu vois la fille... Si tu vois la fille que j'ai amenée ici il y a de cela deux jours... Ah, elle est... Waouh! Waouh! Frérot, pouvons-nous arrêter de parler de ça? Je veux dire, pouvons-nous arrêter de parler des filles chaque fois que nous sommes ensemble? Les gars gagnent de l'argent dehors. Et ils gagnent de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Et nous sommes ici en parlant des filles tout le temps. Je n'apprécie pas ça. Regarde-toi, Charles. Tu me parles? Quelle est cette attitude de Saint-Ange? Est-ce parce que je ne veux pas parler des deux filles que tu avais dans ton lit le jour-là? Deux belles filles, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Salut, les gars. Salut. La nourriture est prête. Merci. Oh, de rien. Yeah. Ça a un goût délicieux. Es-tu sérieux? Ça, je dois l'avouer. France ne m'a jamais dit que je préparais bien. Il n'a jamais fait Allez, ça. Allez, bébé, ce n'est que la viande. N'importe qui peut frire la viande. Bébé, je peux te faire des repas qui sont très délicieux. Mais malheureusement, je n'ai pas une voiture pour aller acheter des histoires frais au supermarché. Parlons-nous de la voiture maintenant. Ça, c'est la seule chose que tu m'as promise et que tu ne réalises pas. Prends ça. Bébé. Aïe. S'il te plaît. Ah, bébé, je suis désolée. Je suis désolée. Bien, ok. Hé hey. Charles. Bébé, je suis Arrête. Désolée, non. Pourquoi tu pardonnes si difficilement? Oh, je vais te gifler. Tu vas gifler ta chérie. Je vais te gifler. Mais gifler? Et toi, que fais-tu là? Monsieur, j'ai tantine Edith à enlever tout ça. Oh, s'il te plaît, enlève tes sales pieds de là maintenant. Sors! Sors! Bébé. Oui, bébé. Oh mon Dieu, t'es bébé. Élégante, hein? N'as-tu pas oublié quelque chose? Oh, oublie quelque chose? Viens, je vais te le donner. Hein, arrête! Tu as promis de m'amener la voiture ce week-end. Bébé, la semaine n'est pas encore finie. Mais nous sommes déjà vendredi. Je vais t'acheter ta voiture. Quand? Aujourd'hui? Demain? Pourquoi es-tu si obsédé par cet achat de voiture? Hein? Ce qui devrait te préoccuper, c'est de trouver un travail. Tu dis ça? Que je suis obsédé juste pour une voiture? Allez, bébé, tu m'as promis la voiture le jour de mon anniversaire et tu ne l'as pas réalisée. Et depuis, tu ne fais que me dire la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Écoute, mon gars, si cela n'est pas possible, alors fais-le-moi connaître. Peut-être que tu n'as pas d'argent. Excuse-moi. Bébé, j'ai besoin d'une voiture. Tu promets bien sans pour autant le réaliser. J'ai besoin d'une voiture. Ça, c'est vraiment fou. J'ai besoin d'une voiture. Toujours des excuses.
C'est à toi que je parle. Allez, viens ici. Point de correction. Mon nom n'est pas Ei. Je m'appelle Nena. À quoi est-ce que cela m'intéresse? Je n'ai pas besoin de savoir si tu t'appelles une chienne, Lisa, singe ou une âne. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Écoute, je veux que tu me rendes un service. J'ai appris qu'il y a différentes filles stupides qui veulent rendre visite à mon mec et je vais mettre fin à ça. Je veux que tu commences à m'appeler à chaque fois qu'une fille va commencer à venir ici parce que j'ai besoin de le savoir. Alors, t'as un téléphone? Excuse-moi? Tu m'as entendu? J'en ai pas. À ton âge, t'as pas un téléphone d'ailleurs. À quoi est-ce que je m'attends? Bien, il n'y a pas de problème, mais au moins tu peux m'écrire. Tu peux écrire? Je te demande, est-ce que tu sais écrire? Bien sûr que je peux. Bien, tu vas commencer à enregistrer leurs noms, leurs adresses, et quand je suis là, tu me donnes tes papiers. Est-ce que tu m'as compris? Allez, quitte ici, va ouvrir le portail pour moi. Tu m'as entendu? Salut. Charles, tu es toujours ici? Monte dans la voiture et laisse-moi aller te déposer. Tu es belle. Je suis la copine de ton ami. Dieu merci que tu n'es pas sa femme. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ne suis-je pas charmant? Tu commences à me rendre mal à l'aise. Je souhaite que France te prenne aussi au sérieux que tu le prends. Je sais qu'il maîtrise, mais... Mais tu aurais été remplacé par son numéro 1. Est-ce qu'il a une copine numéro 1? Tu n'es pas un enfant. Pourquoi cela lui prend autant de temps de t'offrir la voiture qu'il t'a promis depuis l'année dernière? Arrête, tu dois te réveiller. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je vais t'offrir une nouvelle voiture. Donne-moi le nom de celle que tu veux. Je viendrai te surprendre avec la clé. Je suis en train de me tenter ou quoi? Thank you.
Je me sens coupable. Oui. Toi et moi, savons qu'en ce moment, il est avec des filles dehors. Ou tu ne m'apprécies pas? Je sais que tu m'admires depuis longtemps. Donc calme-toi. Calme-toi et laisse-moi prendre soin de toi. Sois tranquille. Laisse-moi prendre soin de toi. Allez, lentement. C'est bien. Je vais virer de l'argent sur ton compte après, d'accord? Merci. Je t'en prie. Bye. 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 D'accord. Donc tu trompes aussi France? Excuse-moi, c'était juste pour le déjeuner. Et vous avez fini par le lit. Je ne comprends pas, qui es-tu? Je suis un chasseur comme toi. Donc tu habites ici. Bien. À plus tard. Je t'ai dit que nous n'avons pas perdu l'argent. Est-ce que tu vois? Je sais. Mais il devrait passer le ballon à l'autre. Non, non. Fais le tir. S'il te plaît, je veux savoir d'où est-ce que cette relation va nous amener. Allez, bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu commences pas à agir de façon... sarcastique. Oui, ça c'est parce que tu commences à me tricher comme si cela était normal. Oui, je veux savoir jusqu'où nous allons dans cette relation. C'est pourquoi je suis ici. Bébé, comme tu vois, nous regardons le football. Hein? Je ne comprends pas. Ça veut dire que je suis en train de parler de bêtises. Donc ça n'a pas de sens. Il a passé le ballon. Qui est-ce? Hey! Bienvenue. S'il vous plaît, évitez des problèmes. N'entrez pas là-bas. De quoi parles-tu? Cette tantine méchante, la première chérie des Oga, est là-bas à l'intérieur. Je sais qu'elle est méchante. Hein? Je ne veux pas qu'elle t'embarrasse. T'inquiète. Ok? Tantine! Tu es silencieux. Salut bébé. Ça va? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Mais je suis déjà là, chérie. Comment vas-tu?
Je vais bien, mais va m'attendre dans la chambre à coucher, tu vois, je regarde un match. Il n'y a pas de problème. Hé, arrête. Où penses-tu aller? Et qui veut savoir? Toi? Excuse-moi. Je te hais avec beaucoup de passion. Écoute, je ne l'ai pas invité, je ne savais pas qu'elle arrivait. Mais arrête! Tu n'aurais pas dû l'envoyer dans la chambre à coucher. Ça, c'est insulter Belly. Oh, s'il te plaît, épargne-moi ça. Écoute, maintenant, je dois aller regarder le match dans la chambre à coucher. Je te vois après. En tout cas, j'ai compris. Je vais prendre congé de toi alors. Je m'en vais. Je te l'ai dit. Je suis triste, j'ai peur. Essaye de lui parler de nous. Peux-tu te calmer? Okay? Je ne peux pas. Je ne veux pas qu'il me prenne comme une tricheuse. Mais c'est vrai. Pardon? Qu'est-ce que tu m'as appelé une tricheuse? Je suis désolée pour toi-même. Hey, peux-tu te calmer et laisser parler, ok? Reviens. Tu penses que je suis ici pour te supplier? Mais je ne vais pas te supplier. J'ai déjà eu ce que je veux, je n'ai plus ce temps. Ce visage, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je déteste les gens qui sont faux. Je ne veux rien avoir avec les gens qui sont malhonnêtes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Belly pense que je suis stupide. Elle-même probablement à cause de mon argent. Mais pourquoi tu dis ça? Elle a commencé par déconner. Elle agit, elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. Elle me parle n'importe comment. Simplement parce que je ne lui ai pas acheté la voiture qu'elle m'a demandée. Elle n'agit en tant qu'une femme, et tu sais ça? D'accord, ce n'est pas pour cette raison que je t'ai appelé. Il y a cette affaire qui vient de cliquer, j'ai pensé à toi, c'est pourquoi je t'ai appelé. C'est l'importation de papier d'aluminium. Est-ce que tu es intéressé? De quel pays? Est-ce que ça importe le pays? Es-tu intéressé? France, je ne suis pas intéressé. Je veux quelque chose de plus lucratif. Et qu'est-ce qui est plus lucratif? Tout simplement, je ne suis pas intéressé par ce genre d'affaires. Merci. C'est bien. Le soleil frappe très fort. Un très très grand soleil. C'est terrible. Tu sais, notre gars ici, je ne le comprends pas. Elle ne passe pas une nuit sans pour autant être avec une femme.
Je crois vraiment qu'il ne sera pas infecté. Oh, c'est pour ça que je prie. Je prie vraiment beaucoup pour ça. Ah, oh, tu l'as oublié même de te dire. Depuis que tu es venu dans cette parcelle, tu me portes vraiment une main forte. Dieu va te bénir. Amen. D'accord. Qu'il vous bénisse aussi. Tu sais que c'est un coureur de jupons et tu veux que je cours après lui. Tu es une folle ou tu es toujours une enfant? Attends que je finisse de parler avant que tu ne commences à te plaindre. Ok, je t'écoute alors. Eh bien, écoute-moi bien. C'est ce que j'entends de te dire. Je veux que tu l'emportes. Oui, c'est un riche. Et il aime bien donner de l'argent aux jeunes filles. Alors ces jeunes filles ne sont pas différentes de toi. Prends son argent, on en a besoin. Ça va changer notre condition. Oui, écoute, je suis fatiguée de travailler pour cet homme et ne pas être payée. Je passe tout mon temps là-bas. Je fais beaucoup pour lui, mais il n'apprécie pas ça. Je ne sais pas comment le faire sans pour autant qu'il sache qui je suis. Je ne sais pas vraiment. Relax, ma chère fille. Avant toi, j'étais. Okay. Et j'ai la maîtrise de cette parcelle. Écoute, personne ne saura qui tu es. Alors quand tu vas arriver là-bas, personne ne saura qui tu es. Oui. Profitons de cette occasion, tu es une belle fille. Ça, ce n'est pas un problème. On va gérer ça. Et tout va aller bien. Je sais ce qu'on va faire. Dis-moi. Nous allons avoir plus que cet argent. Maintenant, tu as compris. Je sais que lorsqu'il va me voir, il va directement m'apprécier. Oui. T'inquiète, maman. Ce que je dois faire, c'est juste m'arranger très bien. Arrange-toi. Acheter quelques habits sexy. Même emprunter. Donc, je vais emprunter quelques habits sexy. Ok, pour acheter quelques... Les vêtements qui vont très bien dessiner mon corps. Maman, je dois être classique. Et il va tomber sur moi. Bam! C'est fini. Je connais tes capacités. Ça ne sera pas un problème. Nous allons aller là-bas et prendre tout ce dont nous avons besoin. Tout, maman. Si je vais vendre cette parcelle juste pour te maintenir, nous allons accepter. Il faut accepter ça. Mais écoute, tu dois commencer à t'entraîner. Comment tu vas commencer à défiler dans cette parcelle? C'est vrai? Oui, comment tu vas commencer à marcher dans cette parcelle? T'inquiète, non. Laisse-moi te montrer. Rentre ici. Maman, non. Cette démarche, ça t'est fait comme... Vas-y, montre-moi alors. Allez, sois droit. Élève tes épaules. Essaie un peu de... essaie un peu de soulever ta poitrine. Allez, élève bien tes épaules. Allez, position de tir. Eh bien, ne pousse pas ça trop derrière. Arrange ça un tout petit peu, sinon tu ne sauras pas bien marcher. Allez, fais ça bien maintenant, comme si tu défilais sur un tapis rouge. Dans un événement des galas. Comme une miss. Voilà, comme ça. Lentement, pas à pas. Une sexy fille prête à séduire. C'est bon, tu l'as eu. Ça y est. Écoute, nous allons... On va faire agenouiller ces hommes. Maman, t'inquiète. On l'a déjà eu. The channel F Forever. S'il te plaît, je cherche la maison du Chief Léonard. Chief Léonard? Je suis nouvelle ici, je ne connais pas de gens. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Je suis vraiment foutue telle que tu me vois là. Chai, je pouvais bien te aider, mais ma chère, je ne les connais pas du tout. Désolée. Merci, merci beaucoup. Je traîne sous le soleil juste pour attendre ces messieurs qui m'énervent déjà. Que fais-tu ici? Mais tu m'avais dit que tu vas ramener la voiture à 11h. Maintenant il est 14h. Qu'y a-t-il?
Je t'avais promis de remettre ta voiture. Alors attends, je te verrai après. Ne me raconte pas des histoires. S'il te plaît, vas-y, non. Je ne veux pas que tu me racontes des histoires ou ramène ma voiture. Vas-y, ah! Qu'est-ce qu'il est venu vraiment faire ici? Oh. Je suis fatiguée de me tenir sous ces soleils, c'est quoi ça? Salut fille, que fait une belle fille comme toi sous le chaud soleil? J'attends quelqu'un. Et se peut que la personne que tu attends soit encore loin, donc si tu veux, tu peux venir avec moi pour prendre quelques verres. Non, je vais attendre. Maintenant, laisse-moi te dire que ce n'est pas bien pour toi de rester ici. Tout le monde qui passe te regarde et tu es trop belle pour rester debout sur la route, hein? Je ne suis pas loin d'ici, hein? Crois-moi. Cette chaleur n'est pas bien pour ta peau, tu le sais, hein? Alors viens avec moi, prenons quelques verres, et dès que la personne que tu attends appelle, je te laisserai aller la voir, crois-moi. Ok, je ne crois pas que c'est une mauvaise idée. Suis-moi seulement, d'accord? Ok. Je ferai la partie pour toi. Merci. Pour lui. Cet homme, c'est un semeur de troubles. Allez, vite, ouvre vite ce portail. Nigeria, ma fille, ma bien toussé. Allez, dépêche-toi, non? Nigeria, ma fille, ma bien toussé. Comment tu vas? Ouvre le portail. Je veux que tu ailles dans ma chambre à coucher pour la nettoyer. Votre chambre? Oui, ma chambre à coucher. Je l'ai déjà nettoyée depuis le matin. Va en haut et nettoie-la encore. Je l'ai déjà nettoyée. Va la nettoyer encore. Va la nettoyer encore. Okay. Vas-y. Ok. Bienvenue bébé. Bienvenue. J'espère que tu aimes ma maison. Tu vois bien ma maison? Ouais, désolé. Tu es encore ici? Je suis déjà à la fin, monsieur. Ok, ça va. Ok. Tu peux sortir. Je dis c'est assez. Bonne nuit. Bonne nuit. Ha ha ha.
Je vais me déshabiller d'abord. Ah, bébé. Tantine, oui. Savez-vous que beaucoup de filles sont vraiment des imbéciles? Elles sont vraiment éhontées. Pourquoi tu dis ça? Cette fille qui est venue avec Oga France, c'est une fille éhontée que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Tu veux dire quoi? Elle était là dehors sous le soleil, en disant qu'elle cherchait un monsieur Léonard. Si c'était encore quel nom là. Je ne savais pas qu'elle cherchait mon patron pour qu'il vienne avec elle ici. Regarde comment est-ce qu'elle le suit vraiment comme ça. C'est pas normal. Ma fille, les filles de nos jours sont de paresseuses. Elles veulent rester là sans rien faire et elles attendent que l'argent tombe du ciel. Tantine, je ne permettrai pas à un homme de prendre l'avantage sur moi à cause d'argent. Peu importe ce qu'il pense qu'il a. Jamais. Mais je ne comprends pas Oga Francis. Il profite de toutes ces jeunes filles juste parce que... Et qu'il est riche. Je n'arrive pas aussi à le comprendre. C'est terrible, oh. Qui est la cuisinière d'ici? Demoiselle, il n'y a pas de cuisinière dans cette maison. Ok, je veux que vous entriez me faire quelque chose maintenant. J'essaie de te dire qu'on n'a pas de cuisinier ou cuisinière ici. Et je veux que toi, tu entres pour me faire quelque chose à manger maintenant. Je suis la bonne de la maison. Peux-tu la fermer? Comment peux-tu dire ça? N'as-tu pas du respect? Comment peux-tu dire à une femme qui est plus âgée peut-être que ta mère de fermer sa bouche? Et qui es-tu pour que tu parles? Et qu'est-ce qui se passe ici? Oga. N'importe quoi. Je disais à cette demoiselle qu'on n'a pas de cuisinière ici dans la maison. Va à la cuisine et fais-nous quelque chose à manger. Ok, monsieur. Et dépêchez-vous, hein? Cet homme est fou. C'est quelque chose de bêtise comme ça. Cet homme est vraiment ennuyant. Ça veut dire... Mais tu imagines, c'est Oga Francis n'a pas de respect pour moi. Regarde comment il est en train de me parler. Va là-bas, prépare pour nous quelque chose à manger. Je voudrais qu'il parle à son ami. Comme ça. Elles ont mis beaucoup de piment. Oh, désolée. Juste mis un peu de piment. Quel genre de cuisinière es-tu? Désolée. Ça va, ça va. Viens et dégage-moi ça d'ici. Ah! Et s'il te plaît. Ça va, ça va. Oh, bah, désolée. Oh, ça va, ça va. Ce n'était pas juste. Cet homme ne sait rien. S'il te plaît, je suis désolée. Piment.
la façon dont tu m'as crié dessus, j'avais très peur. J'ai commencé à me demander, ça c'est ma fille. Tu sais, pendant tout ce temps, ma voix était en train de trembler. Es-tu sérieux? Hey! Mananem, tu es une vraie actrice. Hey! Je t'assure, va en Hollywood, hey! Va devenir une star. Maman? Hein? Ce garçon a beaucoup d'argent. Je t'avais dit. Maman, devine, il m'a donné combien? Il t'a donné combien? Vas-y, devine, non? Dis, 20 000 naira. 20 quoi? C'est trop. Maman, de quoi parlais-tu? Maman, de quoi parlais-tu? Je parle de 200 000 naira! Maman, c'est 200 000 naira! 20 000 naira! Connelly! Maman, ce n'est pas tout haut. Quoi d'autre? Il a aussi promis de m'acheter un iPhone. Tiens! iPhone! Attends, c'est ce téléphone qui est plus cher. Le téléphone le plus cher, maman! 600 000 naira! 600 000 naira! Et dis-moi, quand tu vas commencer à répondre à l'appel avec ce téléphone, tu vas commencer à dire allô ou bien iPhone. Hello! 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 Comme ça, tu me donneras ton téléphone. Pas de problème. Ne laisse pas cet homme. Maman, tiens-les bien, pardon. Je ne laisserai plus jamais partir. Mais que nous. Je vais les garder dans mes mains. Il va rester Chikenu, là. Jikenu, Jikwa, so. Hey. Jikenu, Nyokwa, Sadugo. Nem. Oui, maman, vas-y. Jikwa, Sanugo. Oga, Sanuso. Oui, vas-y, chante. Oh, Sani. Oga, des 100 000. Maman, donnez-moi aussi, non? Baby, je veux qu'on discute. Je vais au travail. S'il te plaît. Je sais que tu es fâché contre moi, mais je peux entrer là-bas et t'attendre. Non. Baby, écoute, je sais que tu n'es pas content de moi. Je sais que tu es fâché contre moi, mais je suis désolée. Je suis très très désolée, mon bébé. Tu m'as beaucoup manqué. S'il te plaît. S'il te plaît, bébé, pardonne-moi. Tu m'as beaucoup manqué et j'ai manqué de tout. Désolée. Tu sais quoi, ça va. Je te pardonne. Oh, mon chéri. Oh, dis-moi alors, je peux aller au travail avec toi? Non. Tu sais quoi, bébé, je veux que tu comprennes. Aujourd'hui, c'est lundi et j'ai beaucoup de choses à faire au bureau. Donc, tu peux revenir après si tu veux. Je te verrai après. Puis-je partir maintenant? Merci. Bébé, alors tu ne rentres pas avec moi? C'est clair. Je vais rester collée à toi jusqu'à ce que tu réalises ta promesse que tu m'avais dit que tu vas m'amener à Dubaï. Un voyage à Dubaï? Un voyage VIP à Dubaï. Allez, bébé, peux-tu arrêter cette plaisanterie? Non, ça c'est la condition pour le délai. Peux-tu arrêter cette plaisanterie, s'il te plaît? Peux-tu l'arrêter? France, demain je viendrai chez toi. Et si tu ne réalises pas toujours ta promesse, je vais arrêter avec cette relation. Thank you.
Monsieur. Monsieur, ça va? Jésus, est-ce que ça va? Redressez, oui, oui, comme ça. Désolée, s'il vous plaît, je peux vous prendre le médicament? Hein? Ok, j'arrive avec. Désolée, désolée, monsieur. Désolée, monsieur. Désolée, ça va aller. Oh, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Notre Oga est très malade. Où est-il? Il est là-bas dans sa chambre. Oga? Oga Francis? Oga, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as la malaria? Tu ne m'as pas encore payé mon salaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oga? Oga? Tontine Edith. Tontine Edith, vous l'avez bien vu, hein? Il a l'air très très terrible. Qu'on l'emmène peut-être à l'hôpital, hein? Tontine Edith, tu ne dis rien? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Hey. Tu n'acceptes pas mon idée? Tiens. Ah.
Oga est très malade. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, vous devez prendre un peu d'eau. Ça va vous aider. Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous et buvez un peu d'eau. Oga? Oga, oh. Je le garde alors ici. Peut-être que vous allez le boire après. Bon après-midi. Où est France? Il est très malade. Très très malade. Je t'ai pas demandé s'il est malade. Je t'ai demandé où est-il. Il est là-bas dans sa chambre. Bébé, je t'ai manqué. Bébé. Bébé, pourquoi es-tu froid à mon égard? Parle-moi, bébé. S'il te plaît, peux-tu m'emmener chez le docteur? S'il te plaît. Chez le docteur? Pourquoi tu veux aller chez le docteur? C'est à cause du iPhone? Ok, tu vas m'en acheter même après, t'inquiète pour ça. Hein? Alors souris bébé. Tu m'as beaucoup manqué, vas-y parle-moi, non? Bébé. Bébé. Bobo. Bébé. Mon chéri chocolat. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me dis? Je veux que tu arrêtes de voir cet homme. Mais pourquoi dois-je arrêter? Il n'est pas assez bon pour toi. Écoute, je sais que c'est moi qui ai commencé tout ça, mais crois-moi, on doit arrêter. Maman, maman, je n'arrive pas à comprendre. Je suis venue prendre l'iPhone qu'il m'avait promis. Je n'ai pas encore aussi payé pour la voiture que j'avais empruntée. Ça m'est égal. Juste oublie les iPhones et oublie ce qu'il t'a promis. Juste va-t'en, s'il te plaît. Je ne pense pas que ce sera possible. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ça veut dire quoi que ça ne sera pas possible? Ta mère te parle et tu es en train de t'opposer? Hein? Je ne vais pas accepter ça. Allez, quitte cet homme. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que c'est que j'ai dit? Je ne vais rien préparer pour toi. Je ne vais rien préparer pour toi. Et si tu as faim, alors entre dans la cuisine, va préparer toi-même. C'est quelle bêtise ça? Une jeune fille comme toi, tu ne sais pas préparer? N'importe quoi. Des bêtises. Bêtises! Peux-tu imaginer avec cette jeune fille? Elle veut que je prépare la nourriture pour elle. Aussi âgée qu'elle est, elle ne sait pas préparer la nourriture pour elle-même. Ça, je ne vais pas accepter ça. Oh. Attends. Je vais aller nettoyer derrière le portail. Laisse-moi aller chercher la brosse et la ramassette. Se passe réellement dans cette maison.
dis rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est? Charles. Je suis fini. Je suis fini. Qu'est-ce qui se passe? As-tu contracté une MST? Ça ne serait pas le pire enfer. Alors, quelle est cette pire chose? À l'heure où je te parle, je n'ai rien. Je ne comprends pas. Ok. Tu te souviens de l'importation de papier d'aluminium dont je t'avais parlé, n'est-ce pas? Oui. Et tu as déjà envoyé de l'argent en Chine pour ça? Très bien. Ce conteneur a été détourné. Tu te moques de moi, c'est ça? Hein? Charles, je te dis que un conteneur de 240 mètres cubes rempli de papier d'aluminium a été détourné. Tu es en train de partir, tu ne vas aller nulle part aujourd'hui. Oh. Ah, maman, je veux cet iPhone. J'ai aussi besoin d'argent pour la voiture d'autrui. Hé, hey, tu ne vas aller nulle part. Je ne veux pas que tu sois infectée. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je ne suis pas une petite fille. Je sais comment prendre soin de moi-même. Hein? Ezuoku, oui. Tu n'es pas une gamine. Quand tu auras la maladie, tu vas t'allonger là. Hein? Et puis, tu vas falloir que je puisse prendre soin de toi. Tu ne vas aller nulle part. Maman, s'il te plaît, arrête-moi. Ça, si j'emmène l'argent ici, tu vas encore dire ce que tu me dis. Je ne veux pas que tu meurs juste parce que tu amènes l'argent. Ne l'as-tu pas bouffé? Oh non, pourquoi? Maman, s'il te plaît. L'argent ne guérit pas cette maladie là-haut. Tranquillise-toi, hein? Hein? J'arrive. Je reviens. Toi, tu es un enfant, ta mère te parle, tu ne veux pas écouter, hein? Hey, quand tu seras malade, là, c'est ton problème. Maman, t'inquiète, je reviens, bye-bye. Ok, non, voilà, il n'y a bye. Pas de problème. On attends verra tout, bien, maman. Tu vas donner raison. Comme tu ne veux pas écouter. iPhone. iPhone. iPhone cause beaucoup de troubles aux filles, oh. Salut mon gros bébé. Mon amour, ça va, mon cœur? Bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bébé, s'il te plaît, peux-tu m'aider à préparer une demi-heure afin que je prenne mes médicaments, s'il te plaît? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est depuis quand ça? Je suis devenue ta cuisinière, mais demandée d'aller préparer pour toi. Je n'arrive pas à te comprendre. Et alors, où est l'argent que tu m'avais promis? Je t'en prie, s'il te plaît, parle-moi de ça. Bébé, s'il te plaît, aide-moi. Un petit iPhone. Un petit iPhone, tu n'arrives pas à me le donner? Mmh.
Bébé. Bébé, oui, c'est toi. C'est moi, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne te va pas? Bébé, je meurs. Et qu'est-ce qui est en train de te tuer? Bébé, je suis ruiné. Je suis fini. Alors je te parle, je n'ai plus rien. Sais-tu que tu sais le contenu dont je t'avais parlé que j'importais? Oui. Il a été détourné. Alors je te parle, je n'ai plus rien. Oui. Je n'ai plus rien. France, ça c'est quelle histoire ça? Ça c'est quelle histoire que tu racontes? Tu vois comment ta méchanceté t'a payé? Si moi tu m'avais acheté cette voiture que tu m'avais promis il y a longtemps, tu ne serais pas longtemps de me raconter tout ce que tu es en train de dire là. Tu sais quoi? Je te quitte pour bébé, du bon. Bébé, s'il te plaît. Hé, hey, laisse-moi. Bébé, ce n'est pas l'heure de parler de voiture, hein? J'ai besoin de toi. Dans ton rêve, tu peux faire appel à toutes tes copines qui défilaient ici, ça et là. Allez, je m'en vais. Profite bien de ton malheur. Belle, tu es mon numéro 1. Laisse-moi tranquille. Belle, tu es mon numéro 1. N'appelle pas mon nom. Tu es mon numéro 1. Belle, tu es mon numéro 1. Aïe. Où est mon argent? Je vais t'apporter ton argent, s'il te plaît. Où est mon argent? Jerry, s'il te plaît, crois-moi, je vais t'emmener ton argent. Les clés de la voiture. Hein? Les clés. S'il te plaît. Jerry, s'il te plaît. Tes chaussures. C'est mon sac, s'il te plaît, mes chaussures, non? S'il te plaît, pourquoi tu me fais ça, hein? C'est bel et bien moi, oh. S'il te plaît, pitié. S'il te plaît, oh, je t'en prie. S'il te plaît. Je reviendrai pour mon argent. Je t'avais dit que je déteste les histoires. Pourquoi tu me fais ça? Je reviendrai pour mon argent. Tu as intérêt à me les donner. Idiote. Dégage avec ton amour stupide. Jay, pourquoi tu me fais ça, hein? Jay, s'il te plaît. Jay, je t'en prie. Jay, s'il te plaît. Et mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je veux faire? Jay! Tu es en train de te moquer de moi, n'est-ce pas? Croise-moi au bar. On peut aller ensemble? J'ai dit croise-moi au bar. Ok. Thank you.
c'est moi qui ai besoin de ses excuses. Écoute, si tu ne veux pas me présenter tes excuses, tu peux partir. Désolée. Je vais te pardonner dans mon lit. Bébé, je fais les riz et les poulets pour toi. Oh, mais merci beaucoup. De rien. J'ai besoin de siroter quelque chose. Oh, désolé, j'ai oublié. D'accord. Je vais prendre ça pour toi. Bébé, les jus est là. Oh. Désolé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Juste apporte-moi un verre de jus. Regarde comment tu te comportes comme si tu es une enfant. Désolé, chérie. Désolé, mon œil. Prends ça et mange. Bébé, désolé, ce n'était pas intentionnel. J'en ai pas besoin. S'il te plaît, tu peux le manger. Je suis désolée. Je peux prendre pour toi une autre nourriture. C'était juste un accident, ce n'est pas intentionnel, je suis désolée. Bébé, désolée, non? Ok, je vais aller chercher pour toi une autre nourriture, j'ai pas fait ça exprès. Bébé, tu gardes toujours une dent contre moi. Pas vraiment, ça va. Et tu fais comme si j'étais une étrangère. C'était juste un accident, je suis désolée. Hein? Désolée. Approche. Je suis désolée. Ça va. J'aimerais que tu me dises un mot. Je suis désolée. Ça va. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je sais ce que tu veux. Je sais ce que tu veux. Frérot. Mais tu n'as pas besoin de penser toute la journée. Ça aggravera ton état de santé. Hein? Ok. Va te doucher. Va te doucher et allons traîner un peu en ville. Allons à un endroit où on peut casser quelques bouteilles. Tu ne comprends pas.
qui n'aime même pas un franc. Ne t'inquiète pas, toute dépense sera sur moi. Ok? Va te doucher et sortons. Baba, va te doucher, non? Et sortons, hein? Regarde, la pauvreté ne te sied pas, hein? Hein? À cause de ce petit problème, regarde comment tu es. va te doucher, t'inquiète pas, tu iras mieux. Regarde, Francis l'a contracté. Il a contracté quoi? Tu es la seule qui ne le voit pas. Il est atteint de VIH. Jésus-Christ! T'as dit l'édite? Hein? Comment peux-tu dire ça? Le pauvre homme est en train de souffrir de la dépression. Pourquoi tu dis que c'est un pauvre homme? Et pourquoi tu appelles Jésus-Christ? Quand il était en train de savourer tout ça, il avait appelé Jésus-Christ. Et tu as pitié de lui, Guinée. Qu'est-ce que tu connais de pression? Ça c'est le VIH, pur et simple. Je ne sais rien à propos, maman. Ok, pas de problème. Mais je veux que tu ailles là-bas pour récupérer mon sac. Je vais vous décevoir sur ce point-là. Je n'entrerai pas là-bas pour prendre un sac pour vous. Vous n'avez qu'à entrer là-bas et prendre votre sac. D'après tout, c'est vous qui avez commencé à travailler ici avant moi. Pourquoi je dois aller vous prendre le sac? Tu sais, la raison pour laquelle je ne vais pas aller entrer jusque là-bas, c'est parce que je viens juste de résilier le contrat. Vous voulez résilier? Si c'est le cas que vous voulez quitter votre job, pourquoi ne pas entrer et le dire officiellement? Comme ça, le boss sera au courant de tout. Mais que j'aille vous prendre le sac? Non, je ne peux pas. Donc, tu ne veux pas m'aider à récupérer mon sac? Ok, je ne vais pas aller là-bas aussi. Donc, vous laissez votre sac là-bas? Après tout, il n'y a rien de grave dans ces sacs. Dans ces petits sacs, il y a juste deux paires d'uniformes, la paire de mon ancienne babouche, ces pannes de multicolores que j'utilisais pour porter les bidons d'eau. Je peux laisser ça. Il n'y a pas grand-chose, même ces pantalons sont déjà usés. Je peux partir. Si tu veux, quand tu vas rester, tu veux utiliser ça, tu peux, c'est ton affaire. Cody? Nous n'avons pas la même taille. Ok, pas de problème, ça peut devenir pour toi. Utilise ça. Salut ton papa, ton père. Merci. Vous êtes en train de fuir? Et c'est moi qui dois vous prendre le sac là-bas à l'intérieur. Allô chérie, comment tu vas? J'avais essayé de te joindre au téléphone ce matin, mais tu étais injoignable. D'accord, pas de problème, je te rappellerai. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nena. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Comment vous allez ce matin? Comme tu vois, je vais mieux. Que Dieu soit loué. Monsieur, voulez-vous que je vous prépare quelque chose à manger? Pas du tout, je vais bien. Mais quand j'aurai faim, je te le dirai. D'accord, monsieur. Nena, s'il te plaît. Viens un peu. Approche-toi, s'il te plaît. Approche-toi. Honnêtement, je ne sais quoi dire, mais je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi, tes efforts envers moi. Je veux seulement te dire merci. Pas de problème, que Dieu soit loué. Il n'y a pas de problème. D'accord. Monsieur, j'aimerais vous poser une question. Ça ne va pas vous énerver? Ok, j'écoute. Monsieur, est-ce que vous priez? Priez? Honnêtement. Je ne peux pas me rappeler la dernière fois que j'ai prié. Monsieur, s'il vous plaît. J'aimerais que vous suiviez le chemin de la prière tout le jour. La prière est une grande arme de notre vie. Monsieur, savez-vous que Dieu peut restaurer toute votre gloire si seulement vous l'acceptez comme Seigneur
Si vous l'acceptez comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous n'aurez plus jamais de problème. J'ai parlé comme un pasteur. Honnêtement, personne ne m'a conseillé comme tu viens de le faire. Personne ne m'a parlé comme tu viens de le faire. Ça fait longtemps. Je vais faire un effort. Oui, monsieur. C'est très, très important. Vraiment très important. Merci. Alors, où est Edith? Ça fait quelque temps que je ne les vois pas ici. En tout cas, ça fait longtemps. Elle ne vient plus ici. Ok. Ton père, il n'est pas revenu du village? Pas encore. D'accord. Tu peux partir. Merci. Merci aussi. Priez. Désolé, monsieur. Voulez-vous que je vous fasse quelque chose? Non. Je veux que tu t'asseyes pour que je te regarde faire la lessive. Vas-y. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller voir votre nourriture. Je reviens. Désolée, je ne veux pas vous déranger. Mais monsieur, ne pensez-vous pas que vous pouvez faire un tour? Allez faire un tour dans des meilleurs endroits de cette ville. Où vous pouvez vous asseoir et reposer votre tête. Être dans ces états ne va pas du tout vous aider. Ok? Merci. Je vous ai apporté vos vêtements. Va les laisser dans ma chambre à coucher. Ok, monsieur. Oga, bon après-midi. J'ai apporté vos vêtements. Quel âge as-tu? Hein? J'ai dit,
quel âge as-tu? J'ai 24 ans. 24 ans. J'espère que tu ne me mens pas. Tu as 24 ans. Viens un peu ici. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qu'est-ce qui ressemble à ce que nous faisons? Allez, pardonne-moi. Charles! Allez, viens. Charles! C'est toi? Mon meilleur ami? Franz, laisse-nous vivre. Tu n'es pas capable de prendre soin de moi. Il fait ce que toi tu n'as pas pu faire, alors laisse-nous vivre. Allez, bébé. Bébé, je prenais soin de toi. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux? Je t'ai demandé de m'acheter une voiture, tu n'as pas pu l'acheter. Je t'ai demandé de me faire voyager à Dubaï, tu étais incapable de le faire. L'argent pour ma coiffure, il n'y a pas. Pour mes habits, il n'y a pas. Alors qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu voulais que je me tue pour toi? Non, je ne pouvais pas le faire. Comme tu peux voir, je suis là avec mon bébé. Allez bébé, laisse-moi en profiter. Oh, arrête! Laisse-moi vivre. Allez, laisse-moi, je ne peux pas me tuer pour toi. Bébé, juste parce que... Parce que les choses ne marchent plus. Pour moi, c'est... C'est pourquoi tu m'as abandonné pour moi. Mon ami, mon meilleur ami. Franz, tu n'as plus rien. Alors accepte ça. Pardon, laisse-moi profiter de ma vie et la vivre comme je veux avec mon homme. Mon copain qui peut bien prendre soin de moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça va, Charles? Amusez-vous, mais une chose que je te promets. Une chose que je te promets. Tu vas le payer. Franz, tu sais quoi? Tu ne le feras rien du tout. Juste parce que il est gentil, il peut prendre soin de moi, et il est aimable, il me traite comme une femme. Monsieur, je pense que tout va bien. Peux-tu imaginer Charles? Charles! Oh mon Dieu! Ça va, il n'y a rien. Ferme le portail. Ferme le portail!
Je... La quoi? Monsieur, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Je voulais juste vous rappeler que vous aviez eu tant de problèmes. Prendre de l'alcool n'est pas du tout bon pour vous. Laissez ça, monsieur. Et depuis quand la fille de mon agent de sécurité est devenue mon docteur personnel? Désolé, monsieur. Désolé. Bien. Alors, je veux que tu ressortes de la porte par laquelle tu es entré. Sors. Attends. La prochaine fois que tu veux entrer ici, sois sûr que tu frappes. Est-ce que c'est compris? D'accord, monsieur. Est-ce que c'est compris? D'accord, monsieur. Bébé, n'oublie pas de me donner l'argent que tu m'avais promis avant de partir de la maison. Quoi? J'ai dit, n'oublie pas de me donner l'argent avant de partir. C'est une salutation ou quoi? Bébé, je t'ai salué. Tu m'as salué et je ne l'ai pas entendu? Non, pas maintenant. C'est quand tu partais, t'es soulagé. Nous venons juste de nous réveiller. Je t'ai salué. C'était la même chose que tu as dit hier. Tout ce que je peux avoir de toi est de demander de l'argent, l'argent, l'argent. Quel est ton problème? Hein? Bébé, je ne voulais pas t'énerver. Mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, s'il te plaît. Je n'ai pas d'argent à te donner. Bébé, qu'est-ce que tu viens de dire? Non, bébé, tu peux pas dire ça, tu m'as non entendu. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas d'argent à te donner. Bébé, ça veut dire quoi, tu n'as pas l'argent à me donner? Rappelle-toi, tu as promis de prendre soin de moi. Je devais aller à Dubaï avec un ticket de première classe et tu devais m'acheter une nouvelle voiture. Mais pourquoi tu fais ça? Quand je te parle, tu je fais semblant comme si... Je n'ai pas d'argent, s'il te plaît. Ah, bébé, ne fais pas ça, non. Tu étais avec moi, tu as pris ton temps, on a fait notre amour et je ne me suis pas plaint. Maintenant, c'est le temps pour toi de me rendre heureuse. Laisse-moi, non, hein? Je veux me reposer, s'il te plaît. Sérieux? Oh, désolé, non. Bébé, je peux te faire un massage. Bébé, désolé, non. Je peux te faire un massage, s'il te plaît. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Je dois avoir ma voiture. Je dois voyager à Dubaï. Bébé!
Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Je veux te dire grand merci pour la nourriture. C'était délicieux. De rien, monsieur. Je le ferai toujours. Ouais, et ton père? Oui, il n'est pas encore retourné du village. D'accord. Ce sont mes vêtements. Pourquoi tu les laves avec les mains, non avec la machine? Monsieur, je suis habituée de laver avec mes mains. D'après tout, je ne sais pas comment utiliser la machine. J'aime beaucoup laver avec mes mains. Mes mains sont habituées à ça. J'aime beaucoup laver les habits. Alors, je les fais toujours avec mes mains. Merci. De rien, monsieur. Ne vous inquiétez pas, je termine bientôt. D'accord, je te vois après. Ok, monsieur. Bonsoir. Viens ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. As-tu mangé quelque chose aujourd'hui? Non, pas encore, mais très bientôt. D'accord. J'ai déposé de l'argent sur la table. Va le prendre. Va au marché et achète tout ce que tu veux selon ton choix. Sois libre d'aller à la cuisine pour préparer tout ce que tu veux manger. Hé! Hey. Merci, monsieur. D'accord. Oh, s'il te plaît, ouvre-moi le portail. Ok. Je veux faire maintenant. Qu'est-ce que je veux faire? Vous m'avez appelé? Oui, bien sûr. Comment tu vas? Ça va bien, monsieur. Prends le sachet là. Ouvre-le. C'est un habit. Ouais. Prends-le. Regarde-le. Monsieur, c'est pour moi? Ouais, c'est pour toi. Tu aimes la couleur? Hé! Hey, merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment joli. J'ai aimé. Je voulais aussi t'acheter quelques sandales et chaussures, mais je ne connais pas ton numéro. Eya! Merci, monsieur. D'accord. Tes cheveux, si... Franchement, ce n'est pas bien.
Alors, il y a un salon sur la rue. Va là-bas pour faire tes cheveux. Monsieur, c'est énorme. Allez, prends-le. Prends-le. Monsieur? Hmm? Tout ça pour le cheveu? Ouais. Monsieur, non, prenez ça, c'est beaucoup. Juste ça, ça va suffire. Gardez ça, monsieur. Ok, utilise le reste beaucoup. Pour acheter quelque chose à porter. Les chaussures, sandales ou ce que tu veux. Hey. Merci, monsieur. Ouais, et une chose de plus. Je veux que tu sois très belle cette soirée parce que je veux sortir avec toi pour un dîner. Dîner? Mm-hmm. Vous et moi. Sortons pour voir ce que le monde a pour nous. Oga? Hey! Merci. Donne-moi un verre d'eau. Allons, bébé, assieds-toi. Assieds-toi. Alors? As-tu aimé la sortie, la nourriture? Oui, monsieur. Merci beaucoup. De rien. Je vais enlever mes chaussures. Nena! Nena! Monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Je suis bien ici. Écoute, Nena. Je sais que tu n'es pas contente avec moi. Tu es fâchée contre moi. Je suis désolé d'avoir essayé de t'embrasser hier. Ça ne va plus arriver. Je veux partir. Allez, ce n'est pas encore allé jusque-là. Tu veux partir où? Je vais aller au village rencontrer mon père. Allez. Allez, je dis que je suis désolé. Je sais, mais je veux juste partir. Je ne veux plus rester ici pour tomber à une tentation. Je veux partir. Tu veux réellement partir? Oui. Très bien alors. Je crois que ceci suffira pour
tes frais de transport. Salue-moi ton père. Tu es toujours ici. J'aimerais préparer pour vous avant de partir. Je n'ai pas faim. Vous allez les manger après. Je suis venue vous dire que je finis avec la nourriture. Votre nourriture est dans la salle à manger. Excuse-moi, s'il te plaît. Assieds-toi. Vas-y. Assieds-toi. Puis-je demander une faveur? Qu'est-ce que c'est? Ferme tes yeux. Juste pour une minute. Merci. Ne les ouvre pas. Ne les ouvre pas. Maintenant, tu peux les ouvrir. S'il te plaît, Nena. Hey, Oga. Épouse-moi, s'il te plaît. Hey. Oga, s'il vous plaît, Oga, ne faites pas ça. Vous savez que nous ne sommes pas de la même classe. Pourquoi? S'il vous plaît, je ne peux pas. Hey, bébé, s'il te plaît, épouse-moi et partage ma classe avec moi. Épouse-moi afin que nous soyons dans la même classe. Épouse-moi et possède ma classe. Tu mérites mieux, bébé. Merci. J'ai fait tout ce que j'ai fait pour connaître qui est qui mérite une place dans mon cœur. Oga, attendez. Vous voulez dire que vos marchandises n'ont jamais été détournées? Mes marchandises n'ont jamais été détournées. En réalité, mes affaires n'ont jamais connu de défloraison. À l'heure où je te parle, je suis 2 fois plus riche. Que Dieu soit loué. Parce que ce qui est sûr, j'avais vraiment pitié de vous. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Hein? Je connais qui est qui les faux dans ma vie, mais toi, tu es franche. Merci, monsieur. Alors, viens un peu. Regarde-moi. Papa, je veux formellement t'informer que je viendrai chez vous la semaine prochaine pour le mariage traditionnel. Et aussi te faire savoir que tu ne vas plus travailler chez moi en tant que mon agent de sécurité. Ouais, je t'ai trouvé un appartement en ville et aussi un bureau. Désormais, tu vas devenir mon distributeur agréé. Oh, merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je manque à dire. Pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci, merci. Papa, laisse-moi t'apporter quelque chose à manger. Ah. J'arrive. Ah, s'il te plaît, Félix. D'accord.
Alors, papa, comment était ton voyage et comment vont les gens au village? Oh, le voyage s'est très bien passé et tout le monde va bien au village. Salut. Bonsoir, madame. Bonsoir, comment vas-tu? Bien. Bien. Je cherche quelques pantalons et chemises. Désolée, n'es-tu pas la fille du portier? J'ai fui, mais pas aujourd'hui. Montre-moi ce que je cherche et comme ça je vais choisir ce que je veux. D'accord. Ok. Essaie un peu de voir. Alors, bébé, mon c'est amour. Comment? As-tu sélectionné les vêtements que tu veux? Elle était en train de m'aider à choisir ce que je veux. Et directement, elle a pris fuite. Je ne sais pas si c'est quoi le problème. Est-ce que tu... Belly, c'est comme ça que tu finis. Ma vie devient maintenant comme ça. J'ai même du mal pour trouver de la nourriture. Je n'ai plus de force. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas en parler, mais je suis contente de te voir. Vraiment, j'ai beaucoup manqué nos moments d'ensemble. Alors, bébé, voici ma femme. Salut. Tu as fini? Oui, déjà. Les clés, merci.